بدفجه به. میدونم. تا وقتی عبد جبه هست منم آبادان میمونم. آخه چطوری میشه تو آبادان در امان بود؟ وسط محاصره؟ Je m'appelle Sepideh Farsi, je suis iranienne, basée à Paris depuis un paquet d'années. J'ai dû quitter l'Iran parce que j'avais des déboires politiques avec le régime. À 16 ans en prison, donc après sortie de prison, j'avais plus de ni le droit d'étudier ni le droit de travailler. Donc mais je voulais déjà faire du cinéma, j'avais déjà été inoculée par le virus du cinéma sans que ce soit l'anime. Donc je quitte l'Iran, j'arrive à Paris, j'étudie pourtant les mathématiques, j'ai jamais fait de cinéma, enfin des études de cinéma, j'ai pas pu, mais j'ai décidé de faire des films malgré tout, comme j'ai pu. Et donc en anime, pareil, je suis autodidacte, comme pour le reste de des métiers du cinéma. Mais j'ai fait effectivement beaucoup de films, pas mal de... La Sirène, c'est mon 15e long métrage. Après, il y en a qui sont plus ou moins... Donc fiction, documentaire, et pour cette histoire, j'ai vraiment décidé de le raconter en anime, parce que pour moi, c'était vraiment le bon médium, en fait. C'était le médium approprié. Alors, on est en 1980, septembre 80, on est un an et demi après la révolution de 79, février 79, une ville au sud de l'Iran, Abadan, qui est un grand port pétrolier. Un gamin, un jeune homme de 14-15 ans, Omid veut dire espoir en persan, ils sont en train de jouer au foot et la guerre leur tombe dessus, comme ça nous est tombé dessus, nous, notre génération, quand on est ado et que voilà, ça vous tombe comme ça du ciel, et après tout change, et en fait, le film, c'est La Sirène, c'est l'histoire de ce que fera Omid pour résister à sa façon, sans prendre forcément les armes. Pour raconter une telle histoire, parler d'une guerre qui est un conflit énorme, qui a vraiment façonné le Moyen-Orient, donc pour parler donc des effets de guerre, de raconter des choses qui sont vraiment difficiles à regarder et à montrer en prise de vue réelle, l'animation crée la bonne distance, d'une part. Ça vient tout de suite. Ça donne un filtre qui permet de tout montrer, en fait, d'une manière qui puisse être vue même par des plus jeunes, ce qui est le cas pour La Sirène. En fait, je pense que le film, moi j'ai fait beaucoup de projections avec les scolaires, quand les adolescents, même des 12 ans, 12-13 ans voient le film, la réaction est, bon, ils sont très touchés, mais ils accrochent, en fait, et ils arrivent à voir. Ça, dans un film en prise de vue réelle, je pense que ça aurait été... Il y a des scènes qui auraient été impossibles à montrer. آخه لنج داشت بابا. یه روز رفت دریا و دیگه برنگشت. میتونی موتور یه لنج رو تعمیر کنی؟ اگه چطور بشه؟ که بریم از اینجا. میشه توضیح بدی چجوری؟ از راه بهمنشیر با لنج. با لنج؟ آیا... تو از اون دست مردایی هستی که میشه بهشون اعتماد کرد؟ ناخدای لنچی، یه ناخدای خوب سراغ نداری؟ خوبش سراغ من دیگه دریا نمیرم جوون حتی اگه میتونستی این جونه این همه آدمو نجات بدی. Ce qui est intéressant, c'est de faire un mélange entre des éléments qui sont vraiment réels, qui sont là, et qui sont des éléments historiques, et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai gavé toute l'équipe de documents historiques, de toutes sortes de choses pour que tout soit précis en termes de modèle de voiture, modèle d'armes, modèle de ce qu'on portait, ce qu'on mangeait, les couvertures de magazines, les slogans sur les rues, les devantures des magasins. Tout ça, c'est vraiment des recherches et des choix que j'ai fait personnellement de ce que je voulais montrer et qui aussi venaient de mes propres souvenirs parce que j'avais à peu près l'âge de Omid. Mais en même temps, c'est une œuvre de fiction. C'était important pour moi que ce soit un militaire, justement un officier qui est anti-guerre, qui ne veut pas, qui trouve que c'est idiot, qu'il ne faut pas que les gens se battent, surtout pas les jeunes, surtout. Parce que c'est une guerre qui a quand même beaucoup décimé des jeunes. Le lavage de cerveau du régime iranien faisait que des jeunes, très jeunes, 12-13 ans, s'engageaient en fait. Ils n'étaient même pas obligés, mais ils s'engageaient. Et après, à 18 ans, on était bien obligés. Et ils perdaient leur vie, quoi. C'était de la chair à canon, quoi. Et c'était important de montrer ça,
de montrer que lui, il est vraiment, c'est un adulte, mais il est contre cette boucherie inutile. Et c'est un personnage qui a existé. Effectivement, c'était un caïd qui était très... Bah, d'abord, il était immense. Il y a des vidéos de lui. Il est mort il y a une dizaine d'années, il y a pas si longtemps que ça. En fait, il avait poussé sa barbe quand on lui a demandé, et il disait qu'il adorait la barbe de Castro, de Fidel Castro, et que c'est en hommage à Castro qu'il avait fait pousser sa barbe comme ça. Et on le connaissait comme Mostafa la barbe. C'était vraiment son surnom. Tout le monde le connaissait comme ça. Et j'ai toujours trouvé qu'effectivement, c'était un grand nounours. En fait, il était à la fois immense comme un colosse et en même temps tout doux, très... Donc on s'est inspiré beaucoup de ce personnage, voilà, pour montrer aussi justement la complexité humaine. میخوام باش همه را از آبادان ببرم بیرون. زود باشین، باید را بیافتین.